Ah, il s'est passé des choses sur Wassel News. Ah oui. Oui. J'ai pas vu. Droit des réponses à la lettre ouverte du bureau des procureurs. À chaque jour, selon les certitudes et certitudes sur l'avenir de cette ville, selon des questionnements et des réponses plus ou moins évasives, selon des confiances et des méfiances, si vous pouviez vous demander à quoi servent les théorèmes de Pythagore pour travailler chez GoPostal. Oui, évidemment, vous demandez à quoi peuvent bien servir les services publics. Ah oh oui, d'accord. Ça commence bien. C'est vrai, à quoi pourraient bien servir les agents des terrains, les agents chargés d'enquêter qui, malgré un certain nombre de restrictions, nous donnent chaque jour leur force, leur courage et risquent leur vie pour accomplir les tâches qui est la leur, protéger et servir. Ainsi, si vous pouviez vous demander comment également vous demander à quoi servent les lois quand celles-ci sont contournées, oubliées ou arrangées pour permettre à des criminels reconnus de passer. C'est nous ça ! C'est nous ! À travers les mailles du filet, oui ? Ces mêmes gouverneurs capables de se mêler à plusieurs reprises d'affaires devenues complexes, politiques ou concernant les groupes criminels, influents, outrepassant alors l'autorité du bureau du procureur, mais aussi celle des bureaux d'enquête. Comment à leur place pourriez-vous expliquer, justifier à vos administrés un criminel notoire ayant sur son dos un dossier assez conséquent pour l'envoyer derrière les barreaux pendant un long moment et été libéré, libre de faire ce qu'il veut grâce à un gouvernement qui aurait été expressément demandé de ne pas l'arrêter pour calmer le jeu. C'est moi ! Ah ! C'est génial ! C'est un article écrit sur moi, pourquoi mais pas mon nom ? Ah ouais, c'est... Toujours plus. Il m'en restait un. J'avais réussi en carotte quelques-uns. Et... C'est de la chance. Ça va gros ça, non ? Je sais pas, je reconnais pas. Bonjour. Bonjour. Identité. Oui, excusez-moi. Des oui, bonnes oui. Questions. Identité. Je suis monsieur Ilkibir Mouyamed. Appartenance. On est les Wave. Identité. Yoi, Okuro. Appartenance. Wave. J'aime beaucoup par contre ta voiture blanc et noir comme ça. Pour l'hiver, c'est sympa. Ah, téléphoné. Ouais, joli. Ah! Les fameux Eyes de Vagos. Ah, Miguel, comment tu vas? Et ça va. Comment vont tes hommes? Compliqué. Tu m'étonnes, c'est compliqué. La dernière fois que je les ai laissés, tu as vu les petites photos que je t'ai laissées? J'ai vu ça. Ouais, ils ont un peu brûlé. Ah, par contre, ça, j'avais pas vu. Oui, tu n'as pas vu, j'ai pas bien pris les photos au moment où il y avait les feux sur leurs cadavres. Merde. Tu peux savoir ce qui se passe du coup? Moi aussi, je demande ce qui se passe. J'ai eu les El Niño chez toi. Peut être plus précis. L'enfant Rayote. Ah, si, mon numéro 2 et demi. Ah, t'as, tu n'as pas un souci avec le numéro 2? Je vais pas te mentir que j'ai eu beaucoup de soucis avec beaucoup de numéros 2 maintenant, Miguel, tu le sais. Il me dit qu'il sait tout dans la vie, qu'il va nous plumer, qu'il va nous défoncer. Il m'explique que vous êtes allé menacer les représentants des... Bah tiens, il est là. Des Benson. Ah, tu es là, impeccable. Bonjour, les parkings est fermé. Merci de remonter dans votre véhicule et de partir. À bientôt, au revoir. Excusez-moi, j'ai privatisé. Donc, je disais, j'essaie de comprendre pourquoi ton numéro 2 m'appelle en faisant un kekos. Il me dit qu'ils vont tous nous fumer, que vous avez souillé les représentants des Benson Ryan chez moi, et que vous nous enculerez tous les uns après les autres. Après, quand je lui dis de voir avec toi, il m'a dit de toute façon, le chef est jamais là et c'est un con. Donc, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mes hommes me disent que vous avez tenté d'enlever mes hommes. Voilà, je crois qu'il y a une incompréhension totale. Une incompréhension totale. Alors, moi je suis revenu un samedi matin. Quand tous mes gars s'étaient fait coucher. J'ai voulu savoir le pourquoi du comment. Mmh. Du coup, je suis allé voir. Je suis allé voir les CMS. Ils m'ont dit d'aller voir du côté de la Mano. C'est bizarre ça. Pourquoi la Mano nous tapait dessus, j'ai demandé. Du coup, j'ai essayé de voir avec toi, avec Pablo, avec Mike, avec Jade. Personne. Et là, j'ai eu Jim. Et Jim m'a dit. C'était des petits mecs en noir, un peu comme des ninjas, qui sont arrivés et qui vous ont tiré dessus. Très bizarre la météo, quand même. Hein. Très bizarre. Et du coup, à partir de ces principes,
Il m'a dit d'attendre lundi que Miguel revienne. Chose que j'ai. Je vois pas de soucis, j'attendrai Miguel lundi. Et après, une heure après, mes gars sont fait capturer et vous lui avez coupé la main. Là, j'avoue que j'ai un peu pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Je l'ai après pris comme une déclaration de guerre, tu vois, Miguel. Après, je crois que c'est parti en couille à ce moment-là. Je retiens que la neige fond hyper vite. Oui, je retiens aussi. Ça, déjà, c'est quelque chose qui me stresse. Je vais t'expliquer cette histoire. C'est une histoire plutôt simple. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques petits soucis personnels. Et dans son infinie bonté, mon épouse décide que pour m'aider, le meilleur pour moi, c'est de passer un peu de temps dans le quartier des... qui m'a vu grandir, le quartier des Vagos. Je décide d'aller dans ce quartier des Vagos et je rencontre ton numéro 2 qui a une forte propension et folie à me raconter de la merde. Une fois, deux fois, trois fois, un déclic. Ce matin, je me rappelle. Et en plus, il se fout de ma gueule. Je lui laisse une possibilité. Je lui explique le pourquoi du comment. Suite à cela, que fait-il? Il se fout de ma gueule et m'explique que sa ville, ses règles, son quartier, je sais pas quoi. Je décide donc de mettre un joug ces numéros 2 qui manquent clairement de clairvoyance, mais aussi des manières. À cela, il me répond que plutôt crever que de baisser les armes. Du coup, vous avez tiré sur toi. Boire chez toi, du pas, coup, j'ai accédé à sa requête. Et puis, parce que je suis bon prince, j'ai laissé un message au médecin. Si, pas très sympa le message. Si, hier, j'ai eu l'occasion d'avoir encore ton numéro 2. Ah, encore, ouais, ça, on m'a prévu ça. Oui. Qui, à partir de là, le numéro 2 continuait de faire les foufous. Notamment d'être un lâche, mais aussi d'être un traître envers toi. À chaque fois qu'il n'a pas la réponse, il me dit que tout est de ta faute et qu'ils ont un problème avec leur chef, tous. D'accord. On parle beaucoup quand même, hein. Hier, j'ai donc décidé de donner une leçon, mais aussi de décider que j'étais le nouveau chef des Vagos, histoire de... éduquer. Certaines personnes qui simplement sont des guignols avec un blouson jaune. On va quelque part. Les enfants, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on va quelque part, il y a du monde partout. Allez demander à la police si on peut les aider. Du coup, c'est quoi le principe, là? Pas les principes. Les principes, c'est que pour l'instant, il est prévu que... on vous souille jusqu'à ce que vous suintez tous les jours jusqu'à... jusqu'à nouveau ordre. C'est pour l'instant les choses qui étaient décidées grâce à ton numéro 2 qui, en ton absence, a pris des décisions... Il m'a même dit hier, je t'attends, viens, j'ai même pas peur. On est des fous, on va vous niquer. Je pose la question, que fait-on? Bah si ce que tu dis est vrai, il va y avoir un problème. Non pas que je remets en question ce que t'es en train de me dire. Mais si tu me dis que mon numéro 2 t'a dit ça, en gros, tu nous, il n'y a pas de problème. Et t'es manqué de respect, il va y avoir un problème, ouais. Hier, j'ai expliqué que c'était une espèce d'apéro. Pour montrer un petit peu ce que les repas peuvent être. Mettre en jambe, un petit gestif pour brûler les calories. Peut-être qu'avec la tête et des... ton numéro 2, j'ai l'impression de revivre ça tous les 6 mois. Ouais. Fais-moi une proposition. Discute avec tes hommes. Et entre temps... tire pas dessus. Entre temps, non, rien. J'attends ce soir d'avoir des nouvelles à 21h. Jusqu'à 21h, je ne touche pas à ton quartier. Ça marche. En dehors de ton quartier, ce n'est plus ton quartier. Allez. Réfléchissez bien à la proposition que vous souhaitez nous faire. Je peux y aller, Ice. Bonne soirée. Et par contre, on va retourner dans les quartiers des Vagos. J'ai dit on ne touche à personne jusqu'à 21h dans les quartiers. On va prendre l'apéro. J'ai pas dit qu'on s'installait pas au milieu du quartier Vagos.
c'est une bonne idée. Ça. Toujours plus. Salut chérie. Bonjour. Allez, let's go. Il y a du monde dans leur quartier. Je veux qu'ils nous voient. Il y a un blond dans la voiture. Deux personnes. C'est pas Ice. J'envoie la photo à Ice. Je veux qu'il soit sûr qu'on est là. Et soyez pas. Disparaît, disparaît tout de suite, disparaît, disparaît. Je prends les photos des Ice et je lui envoie. Et là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Changer en cas où. C'est de la merde ce truc. Bon dérapage. Bon dérapage, chope-le-moi lui. Bah, alors je suis à bon fond. Oh ouais, mais. Ah bah tiens, il va bénir. Va dire bonjour, va dire bonjour. Miguel va s'expliquer avec. Nous avons l'honneur d'être amis. Comment? Nous avons l'honneur d'être amis. Ok, on arrive. Vous êtes où là? Je crois pas. Bénis. La prochaine fois, tu fermes ta gueule. Ok. Seigneur Baltazare. Et bonjour. Comment allez-vous? Allez-vous? Impeccable. Vous me confirmez que vous ne travaillez pas pour la police? Négatif. Impeccable, parce que si c'était le cas, je devrais envisager de découper votre épouse. Non, non, vous inquiétez pas, je travaille toujours au taxi. Impeccable. De mon compte font les bons amis. On est bien d'accord là-dessus. Je voulais donner directement? Bien sûr. Impeccable, merci. Tenez. J'ai acheté tellement de munitions que j'ai pu tirer sur 25 000 ours. C'est une bonne journée, mon courage. A bientôt, Seigneur Baltazar. Service après-vente des Vagos, bonjour. Si, bonjour. Alors, j'ai tous mes hommes qui sont à l'hôpital, du coup, j'ai déjà discuté avec principaux concernés. Mmh. Avant de proposer quelque chose, j'aimerais bien savoir ce que tu veux, toi. Parce que, à part la tête de mon numéro 2 qui va vraiment être compliqué, je sais pas si t'es à la recherche d'argent, si t'es à la recherche d'un tas d'autres trucs. Avant de faire des propositions en l'air, j'aimerais bien savoir ce qui pourrait t'intéresser, à part la mort d'un de mes gars. Déjà, peut-être un peu des obéissances de la part de ceux qui desservent d'hommes. Mmh. Et ça me semble les béabas. Comme je disais, je pense que j'ai un problème avec mon numéro 2, qui va d'ailleurs plus être mon numéro 2. Trouve les bons montants. D'autres groupes m'ont déjà fait des propositions pour vous exterminer. Des propositions pécuniaires. Des groupes qui, si je comprends bien, voudraient récupérer votre business. J'allais toujours l'utile et l'agréable. Et il y a un problème que tu vas devoir gérer, c'est le fait que tes hommes apprennent un peu à parler. Ce que je pourrais te proposer et ce qui est plus avantageux, c'est te faire des blanchiments à 0%. Les hommes me disaient hier qu'ils étaient prêts à subir ça pendant des jours, des semaines, des oui, mois. Oui, enfin, moi les hommes. Mon numéro 2 qui, a priori, raconte n'importe quoi en ville. Et qui se prend pour Superman, je pense. Je vais pas te mentir, hein, on n'a pas, pour l'instant, les mêmes armements que toi. Notamment ton bazooka. Bon. Oh. C'est juste histoire de les réchauffer un peu l'été. Ouais. J'étais pas là pour voir, mais... Tu veux voir? Sans façon. Réfléchis bien, Ice. La proposition définitive avant 21h et j'ai fait les pour et le contre des propositions que j'ai reçues. Définitive. Ok. Je suis sûr que tu peux être original. C'est un bon début. Mais c'est un bon pas début. Un chemin. C'est déjà beaucoup ce que je te propose, Miguel. Tu as jusqu'à 21h pour faire les propositions définitives. Ouais, je ferais peut-être avant, parce que 21h, je serais peut-être pas là. Mais. Allez. Ils ont pas des voitures qu'on veut? Ah, peut-être. Les sacs. Les sacs à prix coûtant. Ah, donc on en est là. Ou... Vous aussi, vous voulez arrêter, moi aussi. Ben non, mais si tu vas aller chercher plus loin, on donne des idées. Je pour la guerre. Hein. Tous les 10 jours de guerre, on n'a aucune condition. En gros, ils gagnent plus de fric avec nous, quoi.
Au bout de 10 jours aussi, on rajoute le fait qu'ils font notre ménage, notre vaisselle, notre lessive, font de la pelouse. Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir un peu de sang? Il n'y a même pas 24 heures de sang que des gens... Bon, ouais, on va quand même en forêt. Parce que ici, j'ai pas avoir les lofts. Oh, peut-être. Oh ah ouais, d'accord. Ouais. J'en te demande. Bon bah si on a un call, on sait de... on sait pourquoi. Et on a qu'à dire qu'on était à la chasse. Oui. Ah. Voilà. Oui, bonjour, vous m'avez appelé? Oui, je vous ai appelé. Vous êtes? Kyle. Kyle, de quoi? Je peux vous demander qui vous êtes aussi? J'ai... des... poser une question. Vous êtes Kyle et des quoi? Kyle des Aztecas. Des Aztecas, c'est vrai. Ceux qui veulent un peu plus des... comment c'est dit? Reconnaissance. Oui, c'est ça, reconnaissance. Pardon? Vous voulez de la reconnaissance, j'ai pu comprendre. Pas vraiment. Encore caché. Bon, pas vraiment. Ma femme ment. Ah! J'en sais rien. Mais j'ai jamais utilisé ce mot, en tout cas. Bon, votre chef a apparemment utilisé ce mot, la reconnaissance. Vous souhaitez plus des reconnaissances. Je vais vous faire une proposition intéressante. Une mise en chaire de la vie d'un groupe criminel. Je crois que vous voulez monter en gamme. Bien sûr. Bah allez. Je vous offre une opportunité. Je suis actuellement en guerre contre les Vagos. Ok. Proposez-moi un prix. Un prix pour... pourquoi, c'est-à-dire? Ne soyez pas plus idiot qu'il vous paraît. Vous cherchez un business et quel prix vaut la mort des Vagos pour que vous vous battiez pour récupérer ces business? Malheureusement, je pense assez cher par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ce n'est pas une réponse. Plusieurs centaines de milliers d'euros, mais comme je vous dis... de dollars, pardon. Mais comme je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, à ce prix-là, ça peut être compliqué. Donc, vous êtes un groupe qui n'a pas d'armes. Qui n'a pas d'argent. C'est juste qu'on a des priorités. Et... vous avez des priorités. Vous souhaitez de la reconnaissance, je vous appelle, je vous donne de la reconnaissance. Et laissez les réponses que vous avez, c'est on n'a pas d'argent. J'ai pas dit qu'on n'avait pas d'argent. Vous avez d'autres priorités. Très bien. Bah, vous le savez très bien que ça fait pas longtemps qu'on est là, on monte. Très bien. Vous avez soumis d'autres priorités qui est obtenir un business et gagner de la crédibilité dans la rue. Très intéressant, là, c'était cassé. Ah, écoutez, je pense que c'est comme l'histoire de la reconnaissance, jamais on aurait utilisé ce mot. Vous n'avez jamais utilisé les mots reconnaissance. En tout cas, pas moi, je sais pas de quand vous dites ça, la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un. Quel est votre rôle au sein de l'organisation? Numéro 2. Les numéros 2, très bien. Ne quittez pas un instant, chérie. Les numéros 2 des Aztecas dit qu'ils n'ont jamais utilisé les mots reconnaissance. Eh ben, on attendra que Simon se réveille pour en parler plus longuement. Très bien. Ma femme est donc une menteuse, seigneur numéro 2 des Aztecas. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que derrière les buissons, des fois, il y a des petits oiseaux. Allons nous amuser, les Aztecas disent qu'ils n'utilisent pas les mots des reconnaissance. Oui, allô. El Niño. Papa est rentré. Riot. Non, El Niño. Je vais l'entendre dire. Comment tu t'appelles? El Niño. Ah, je préfère. Papa est rentré te mettre la petite fessée. Ah bon? J'ai cru comprendre. Il est venu, il t'a mis les fessées, non? Non, je viens de sortir de l'hôpital. Tu viens de sortir de l'hôpital. Je crois que ton papa est rentré et qu'il a des choses à te dire. Et j'espère pour toi que quand ça sera fini, il restera suffisamment debout pour que je puisse me nourrir, El Niño. Yo tout le monde. Ah Simon, d'après les Aztecas, ils n'ont jamais demandé des reconnaissances. Par rapport à nous? Oui. Il me semble que tu m'avais dit ça quand on les avait payés, qu'ils attendaient un peu plus de reconnaissance. Ouais, tout à fait. Numéro 2 à dire que c'est pas vrai, tu m'enterres. Ils ont une mule à l'arrière. Ouais. Chez les Aztecas, c'est une mule. Vous êtes encore à la maison? Tu veux le RPG? Exactement, chérie, s'il te plaît. Il va falloir que ça rentre vraiment dans la tête de tout le monde. Pardon. Seigneur Telate, essayez de m'appeler.
La commande, on peut rajouter des trucs ou pas? Bien sûr, elle est en cours des... Comme j'ai travaillé avec les Vagos actuellement, je travaille avec les éduqués, j'ai eu moins de temps pour les commandes, mais elle est en cours, oui. Ok, tu peux me rajouter deux AK et des chargeurs? Deux AK et des chargeurs. Tu prévois une guerre? Non. Affirmatif. Et je te prépare tout ça et livraison, je pense, dans la soirée. Ça marche, ok, on fait ça. Allez, pas de soucis, je note. Merci à toi. Bon, il y en a un qui veut faire la guerre. Ah, c'est bon, boss, on m'a écrit reconnaissance sur l'ogive. Pour tout le monde, on va leur donner un plein des reconnaissances. Ce qui veut dire que vous me couchez tout le monde. Oui. Oui, j'ai, ah, si j'ai me permis de vous rappeler parce que j'ai demandé quand même à mon numéro 2, à ma femme et à Simon, et qui me parlait bien d'une histoire des reconnaissances. J'allais vous rappeler par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous savez qui j'y suis? Ben non, justement, c'est bien ça le problème, mais pour parler business, ça serait plus intéressant. Il y a leur van là. Le plus intéressant est quoi? De savoir avec qui je parle, tout simplement. Bien sûr. Vous voulez savoir avec qui vous parlez, bien sûr. La mule que vous transportez partout, vous y tenez? Écoutez, en aucun cas j'ai fait des menaces. C'est une question qui pourtant est simple. La mule que vous transportez partout, est-ce que vous y tenez? Non, du tout. Vous n'y tenez pas. Miguel, on peut monter sur le toit. Hein. Écoutez, juste vous me parlez de business à et qui, vous me demandez des. À qui avez-vous dit que vous souhaitiez de la reconnaissance? Moi, je vous le dis, je parle pas de mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Je ne parle pas de mensonge de votre côté ou du mien. Je suis quelqu'un de franc. C'est sûrement un malentendu. C'est tout ce que ça doit être. En aucun cas, je n'ai utilisé ce mot et en aucun cas, je n'ai besoin de votre reconnaissance. Tout n'est que business. Tout n'est que relation de business futur. En aucun cas, je n'ai besoin de votre reconnaissance. Et en aucun cas, nous avons besoin de votre reconnaissance. Et ça paraît normal, on est des criminels, on n'est pas des amis. Et ce n'est pas une menace, ce n'est pas... Nous le prendrez comme vous voudrez, mais je vous dis simplement la vérité. Pourtant, de vos hommes, lorsque ma femme l'a payé, a dit, nous les Aztecas, nous aimerions un peu plus des reconnaissances venant de la Mano. C'est moi qui ai traité avec Simon, dans ce cas-là. J'ai traité avec Simon, votre femme. Déjà, je ne sais pas qui c'est. J'ai vu une dame aux cheveux rouges. Si c'est elle, je l'ai vue, mais j'ai parlé avec Simon. Faites gaffe. Et donc, vous n'avez pas dit à Simon que vous vouliez plus des reconnaissances? Moi, je reste avec Simon. J'ai parlé de relations de business. J'ai dit que je faisais le geste. Vous avez payé, oui, bien sûr, de votre côté. J'ai dit qu'on faisait le geste pour des futures relations de business. On va leur faire péter les trucs. J'ai pas parlé de reconnaissance. Et je n'utiliserai pas ce mot parce que je vous le dis clairement. Nous n'avons pas besoin de votre reconnaissance. Nous avons besoin de bonnes relations de business. J'imagine. On va tirer, je pense. Attention. On rentre dedans? Oui. Ça va, ça passe par l'arrière. On sort. Là, à gauche, il y avait un angle entre les deux trucs. Lève les mains. On rentre dans le quartier. Les parkings arrière, personne carré rouge. Derrière la mule, personne. Je vais à l'encontre d'eux, je suis sur l'arrière du parking. Dois-je me répéter dans la vie ou. Et vous, Roland? Affirmatif. Est-ce que vous serez les couilles molles toute votre vie? Dans les appartements. Les mots ont beaucoup de significations. Vous avez dit, je cite, nous aimerions un peu plus de reconnaissance de la part de la Mano. Est-ce que vous souhaitez que nous soyons vos grands frères et que nous vous tapions dans le dos, ou est-ce que vous souhaitez faire du business? Personnellement, je préfère le business. Après. Alors faites attention aux mots que vous dites. Très bien. Nous vous avons payé pour les jobs que vous avez faits. Donc, dire à mes hommes que. Vous souhaiteriez plus de reconnaissance, n'est clairement pas une bonne idée.
Très bien. Qui est le numéro 2? C'est moi. Qui est le numéro 1? C'est moi au milieu. Très bien. Numéro 1, choisissez un de vos deux hommes. Moi. Ce n'est pas les intitulés, choisissez l'un de vos deux hommes. Je répète, moi. Très bien. J'ai le choix de protéger ma famille. Abattez-les tous les trois. Ah! Ah, comment ça va? Ça va toi? Si ça fait boom à côté de ton quartier, c'est normal. Ouais. Ah, ok, je vais vous. C'est pas sur nous. Non, les Aztecas, ah. Ils m'appellent et me racontent des conneries. Alors je me déplace et je fais ce qu'il faut. Ça marche. Je t'appelle pour la proposition, du coup. Je t'écoute. Je vais devoir y aller. On serait parti sur 1 million cash maintenant. 1 million cash, oui. Et 300 000 à taux zéro par jour. D'accord. Proposition finale des Vagos. J'ai noté, excusez-moi. À taux zéro tous les jours. À vie. C'est ça les propositions. Jusqu'à quand on... Oui. Tant qu'on a le business. Oui, oui. Sinon, ça va être compliqué. Tant qu'ils ont le business. D'accord. Allez. Et bien, et j'imagine aussi les El Niño à genoux qui pleure et qui demande pardon. Pour ça, faudrait qu'il soit là. J'ai lu au téléphone. Ah. Oui, j'ai lu. J'ai eu El Niño. Je lui ai demandé. Et je lui ai dit que papa était en ville et qu'il allait prendre la fessée. Ouais. Oui, il est pas venu. Après, c'est moi qui suis peut-être pas là au quartier. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il prépare aussi une coup fourrée pour être renversé. Ce qu'il m'a dit hier. Ça serait dommage. J'imagine. J'ai noté et je reviens vers toi. Es-tu là ce soir? C'est pour ça que je te fais la proposition tendue. Je donnerai la réponse à tes hommes. J'espère qu'entre-temps, El Niño ne foutra pas les bordels. J'espère pas non plus. À toi de t'arranger pour que tes hommes suivent. Oui, je pense qu'ils suivent. J'ai noté. Pas les soucis. Je pense que le coup de RPG d'hier l'aura fait rappeler. Je suis pas sûr, j'ai eu un mignon qui m'a dit et même pas peur. Bref, et j'ai été fait parvenir la réponse. Okay, tu ne rigolais pas. Pas de soucis. J'ai moi tout ce que je vois, c'est que tu es sorti du cercle de comédie. Vraiment, mon mari est en train de brosser un poil pendant que nous on médite sur la fin de votre truc. Je regarde pas. Ah, parce que t'es en gros pendu, Jade, donc. On ferme les yeux. La fameuse scène de teuf. Bah oui. C'est celle qui fait couler le sang de nos ennemis. Parce qu'on se dit, vu qu'on a plus de requêtes, on peut lancer des beuteux. Oh, scène de teuf. Priez pour nous, sainte beuteux. Priez pour nous, pauvres teubés. La scène de te est là. La scène de te est là. Mais comme dit l'apôtre. La poutre. La poutre, les fameux poutres. C'est le prêtre, la poutre. Les prêtres, la poutre, Jean-Michel Tête de Gland. Il dit toujours. Ne crache pas trop vite. Sinon, la beuteux t'en voudra. Très bien, allons tuer du Vagos. Amen. Avant, c'est quoi c'est... Attendez, j'essaye de suivre. Les Aztecas a buté avant. Oui, question. Oui, Pablo leur a dit, c'est 100 000, on vous rase de la carte. Oui, mais j'avais déjà fait péter leur véhicule et tuer tout le monde. Ben oui, mais nous, on a juste été les voir en mode, c'est 100 000, on vous rase. Très bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, qui voulait être un peu plus pris au sérieux. Ils sont cons. La reconnaissance, oui. Je vais les rappeler, savoir. Alors... Ah, il faut que je m'appelle Esteban. Attends, j'ai Pablo, Vagos couché. Ah, j'ai carrément les images des Vagos. Pourquoi les Vagos se baladent en supérité? Alors, il faut savoir qu'on les a cherchés. On s'est dit, on va voir où ils sont. Et un second, on voit un caddie golf. On fait, mais c'est bizarre ça quand même. Mais on dirait. Et ils ont culot de dire à Pablo, bon, ils savaient pas que c'était lui, parce qu'il était masqué, mais avec une AK dans le dos, que mais on est censé être safe dans notre quartier. Pablo se mettait contre dans son quartier. Très bien. Et Pablo les dit tirer, on les a fumés. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons la sainte et... Beuteux. Oh non. Demain, nous prierons la sainte Tocha. Ah, la parité. Ah, ça c'est bien. Mais bien, chers fils, ne mettez pas les doigts là où la sainte Tocha n'est pas. Oh non. Les fameux doigts dans la Tocha. Les Aztecas. Miguel, chef incontesté des Vagos, j'écoute.
Oui, tu m'appelles comment? Ah, Ice, comment ça va? Ça va, et toi? Et j'appelle concernant les propositions que vous avez fait, les prêts CTLM à 0% et des 1 million. Oui. C'est non. Mais non, on va recommencer, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu voudrais, du coup? Non, me relance pas. Je voudrais déjà, pour commencer, envisager d'acheter votre vide et ton numéro 2 qui parle beaucoup trop. J'ai vu un cadeau. Ça, c'est pour pas vous tuer ce soir. Je peux t'offrir une voiture. Une voiture, une jeune tourneau. Je n'ai pas ce véhicule dans ma possession. Très bien. Je veux quelque chose qui puisse rivaliser avec une jeune tourneau. Une Jugular. Ils ont une belle Jugular. Une super car, du coup. Une Italie GTB. Quelque chose. Une Jugular. Tu veux une FMJ, je crois. Une FMJ. Oui. Ah oui. Oui, une FMJ, ouais. Je dis oui. Ok, mais je l'ai pas tout de suite. Je l'ai pas tout de suite. Très bien. C'est mon numéro 2 qui n'est toujours pas arrivé. Pas numéro 2, si, toujours lui. Très bien. Pour l'instant, j'ai des affaires à faire. On se rappelle plus tard ou je passe te voir. Je sais pas encore. Question. Question aussi de mon côté. Est-ce qu'on peut se balader? Est-ce que vous pouvez vous balader? C'est compliqué. Tu es en train de me demander, c'est normal que tu demandes à ton chef incontesté. Et oui, j'autorise. Ah oui, d'accord, on en est là. Sortir, c'est pour que vous puissiez aller chercher les voitures. Bah, oui, vu le câlin qu'on leur a fait cet après-midi, je comprends. Je pense qu'on va partir sur une FMJ, du coup. Une FMJ, c'est bien, impeccable. Et bah, allez, vous pouvez vous balader. Cependant, attention. Attention. À tout moment, je peux dire Jacques Addy. Donc préviens tes hommes que quand je dis Jacques Addy par terre, ils vont par terre. Jacques Addy, les mains en l'air. Pas de soucis. On est quand même là du manque de respect. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a vraiment pas envie de se faire poutrer ce soir. Je vous ai dit. Et voilà. Esteban? Oui. Si enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Impeccable, Esteban, tu connais la chanson, impeccable. Oui, je l'avais. Super. Où sont mes 100 000? Je ne les ai pas, tout simplement. J'ai cru qu'il allait faire adressant parce qu'il connaissait la chanson. Oui, attends, ne quittez pas. Oui, il a dit direct, il a dit Destin. C'est lui qui a fini les phrases. Il connaissait les. Voilà, c'est ça. Esteban, tu n'as pas les 100 000. Je vous écoute. Oui, vous m'écoutez. Tu as des véhicules. On va encore récupérer des véhicules, oui. Des véhicules qui valent pas très cher. J'explique, ça a 4 roues. Tout à fait. Un moteur, quand tu mets les clés dedans, ça s'allume et ça permet de se déplacer d'un point A à un point B. Jusque-là, tout va bien. Très bien. Tu as des maisons. Tout à fait. Oui. Tu as des armes. Pas grand-chose, mais oui. Donc tu te démerdes, tu vends ce que tu veux, tu me trouves mes 100 000 balles. Bah, en fait, la phrase exacte en fait, vis-à-vis de ma réponse n'est pas que je n'ai pas les 100 000 dollars. Oui. Et que je ne vous donnerai pas 100 000 dollars. Ah, impeccable. Tu ne veux pas me donner les 5 000 dollars. Exactement. Ah, c'est bien. Très bien, c'est pas un souci. J'arrive. À tout de suite, Esteban. À tout de suite. Il nous attend. On sort les commodas. Quand vous rentrez, vous ne laissez aucune chance. On couche tout le monde. Merci bien. Allez. La personne. Ils sont au milieu du square. Ouais. La visuelle. Visuel. Alors, feu. De tomber. Seigneur Arkel, comment ça va? Monsieur Collins, comment ça va? Impeccable, et vous? Ça va, ça va. Dites-moi. Moi. Vous êtes en forme. Oui, toujours. J'ai eu écho comme quoi vous auriez fait une incursion du côté de votre ancien quartier. Une incursion du côté de mon ancien quartier. Voilà, a priori, vous avez pas fait un petit tour du côté de votre ancien quartier. Un petit 90-65. C'est possible. Possible. D'accord. Alors effectivement, des officiers de police ont suivi au véhicule, je pense. C'est possible. C'est possible. Pour reprendre ce que je vous disais hier,
sur les incursions entre les gangs et les guerres entre les gangs. Je suppose que vous avez peut-être un reproche à faire aux Aztecas, mais ça vous regarde, je m'en mêle pas. Néanmoins, ça reste un quartier civil pour l'instant, puisqu'il n'est pas reconnu comme un quartier de gang, vous savez, sur le GPS du gouvernement. Il n'est pas en ce moment sous zone reconnue de gang, il n'a pas été statué comme tel. Donc, autant on va pouvoir ne pas agir, on va vous laisser. Ceinture pour tout le monde. Ça me fait mal de dire ça. On va rester à distance et on va faire en sorte que les civils ne soient pas concernés au moment où vous attaquez un quartier de gang ou quand les gangs vous attaquent ou autre. Nous, on sera forcément là pour venir voir et mettre en sécurisation, voire effectivement arrêter les tirs. Si, Miguel. Et donc, tu me disais que mon cadeau est prêt. Quand tu veux. Très bien. Et directement, tu veux m'offrir donc une voiture ? Très bien, je vais jusqu'à la police et comme ça on peut faire l'échange des cartes grises. On peut faire ça. Ça vous donne du temps. Achetez mes faveurs et vite que je mette mes hommes sur vous. Ouais. Elle monte. Ça non, marche. Robert, non, à peu près combien de temps ? Le temps que je me lasse, le temps que je réfléchisse à leur proposition. D'accord. C'est le bien dans la plage. On se rejoint la police ? Ouais. Et bonjour. Dans 5 minutes. Ok. Bonjour. Aïe. J'ai un problème d'oreille. Ça remonte là ou pas ? L'oreille. Ah, pardon, oui. C'est bon, je vous entends. Mais calme, la prochaine fois que tu frôles une de mes voitures, je te découpe en deux. D'accord, excusez-moi. Bienvenue à Los Santos. Merci. Alors, du coup... Où est le vendeur, s'il vous plaît ? Et c'est moi. Ah, c'est vous. Et l'acheteur, et c'est ma femme. Juste, je prends un peu de d'accord. Présentation du véhicule. El Niño ! Non, c'est pas El Niño. Allez, je suis déçu. Je vais aller voir les petits. Il est où, les petits ? Au quartier. Il n'a pas souhaité venir. À la villa de la bouffe. J'ai préféré ne pas le laisser venir. Oui, j'y arrive. Ah, il est encore en colère. C'est mon cadeau ? Oui. Demande-moi bon, si tu veux regarder à l'intérieur. J'aime beaucoup. Du coup, l'acheteur, c'est vous, monsieur. C'est moi. Monsieur Collins, très bien. Bon, ça peut... Je peux pas revoir votre permis, j'ai juste avant. Impeccable. Je vais vérifier la voiture et j'arrive. Bien entendu, les vendeurs et consentants, sans pression, et les paiements ont déjà été faits. Ah, oh, bah, bien entendu. En plus, la plaque devrait te plaire au niveau. L'FMJ. La plaque, il y a écrit gun. Ouais, sympathique. Eh ben, bah, c'est parfait. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Merci beaucoup. Merci à vous, capitaine. Merci, je vais envisager ta proposition, Ice. Mm-hmm. Je vous souhaite une bonne soirée, vous pouvez vous balader en ville ce soir. Là-bas. Merci beaucoup. Merci également. Faut pas faire comme ça. Seigneur Shin, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Impeccable, on va changer aussi la couleur, c'est ma nouvelle voiture. Ah, joli. Un cadeau des Vagos. Ils souhaitent rester en vie quelques jours de plus et font un cadeau à plusieurs centaines de milliers d'euros. Combien ça vaut, neuf ? 450 000 hors taxes. 450 000 hors taxes. C'était un cadeau à un demi-million. Ça me stresse de ne pas avoir les pistolets. T'as pas l'usine ? Si, mais c'est pas un pistolet. Je vais te filer le mien, si. Non, mais je vais demander au monsieur du château Evans, non ? D'avoir un pistolet sur lui. Bonjour monsieur. Salut. Désolé de vous déranger, mais une petite question s'impose. Êtes-vous propriétaire d'une arme des types pistolet ? Non. Merde alors. Auriez-vous un collègue qui est propriétaire d'une arme des types pistolet ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Est-ce que je vous pose des questions ? Oui, c'est vrai que je vous pose des questions. C'est que je cherche des personnes propriétaires d'un pistolet afin de pouvoir me fournir un pistolet. Je sais pas, je connais personne qui... Vous n'avez pas de pistolet ? Non. Trop de pique. Juste un couteau, c'est tout. Eh ben, je dis pas non, si vous pouvez me donner votre couteau. Et pourquoi ça ? Je sais pas comment je fais pour me défendre après. Gentiment, j'ai demandé en plus. Et moi, j'ai aucune... Je vous connais pas. En plus, vous êtes masqué, je sais pas ce que vous allez faire avec... Est-ce que les mots que j'ai de ma bouche
On sort les couteaux, on les pose sur la table, que je puisse les récupérer, s'il vous plaît. Oui, je vais vous le donner. Impeccable. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir choisi les vivres. Au revoir. N'appelez pas la police, sinon je vous retrouve. Merci. Oui, je le serai. Moi, j'ai pas intérêt à l'appeler ici. Je vous appelle la police, je le serai. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Il avait pas des pistolets, mais il avait un couteau. Je lui ai volé son couteau. Ah. Il aurait eu une compote, j'aurais pris aussi. J'adore les pompotes. 30 secondes. Je vais laisser les wagos en paix pour demain. C'est leur 24 heures de répit. Et après, on fera les contre-propositions. Les Aztecas, par contre, demain, vous les pourrissez, vous les pugnez, vous les sortez, vous les abattez comme des merdes. S'ils finissent par donner la somme, on accepte ou on les emmerde? Oui, tu acceptes, c'est 250 000 demain. Ok. Puisqu'ils n'ont pas voulu payer 100, ça sera 250 000, ils vont tout vendre. Faut que je sois visible. Impeccable. Toujours un plaisir de faire affaire. Normal. T'inquiète. Il semblerait que d'après ce que j'ai entendu, un certain groupe fasse beaucoup des stocks. Attends. Stock de armes. Ok. Zetas. C'est leur taf, hein. Il semblerait qu'ils font des stocks et... Quelqu'un prend le dernier usi. En vue d'une expédition. Je sais pas si c'est pour toi, je sais pas pour qui c'est, mais il semblerait qu'ils fassent des stocks. Ça devrait pas être pour moi. Faut qu'ils prennent le dernier. Peut-être pour moi. Sûrement, je pense plus que c'est probable pour toi que pour moi. Mmh. Moi, ils ont besoin de moi. Ah bon, pourquoi? C'est toi qui blanchis? Bah, c'est moi qui blanchis tout le monde ici. Mmh. S'il reste une accord. Pas d'après ce que j'ai compris. Ah ouais? Il semblerait que, d'après les informations que j'entends, beaucoup passent aussi par les Vagos. Qui? Notamment les États, mais pas que. Ah, c'est normal. Tout le monde essaye de mettre ses cartes un peu à gauche, un peu à droite, et c'est toujours les jeux des cartes. Ouais, mais bon. Personne ne peut avoir confiance sur Vagos. Regarde, lui feront la cas et tu la donneras après. Est-ce que les gens peuvent avoir confiance dans Zetas? Je suis pas sûr non plus. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Ok, je pense que c'était une donnée. J'imagine. En tout cas, j'ai toujours un plaisir de faire affaire. Ok. La dernière AK est dans le... Ouais, il y a Burl. Burl, Parfait. Bah allez, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci d'avoir choisi la mano pour faire vos affaires. On y va les gars, à plus hein. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Seigneur Evans, comment allez-vous? Très bien, et vous, Seigneur Miguel? Impeccable, impeccable. Que puis-je faire pour vous? Ah bah, vous m'avez appelé, je viens de vous rappeler, j'étais absent pendant 2 jours. Oui, c'est vrai. Je vous ai appelé savoir si avoir votre propre business vous intéresse. Bien évidemment, monsieur Miguel. J'ai d'ailleurs suivi avec intérêt... vos actions des derniers jours. Très bien. À combien estimez-vous l'achat d'une licence? Une licence pour posséder un business, monsieur Miguel? Non, pour avoir un billard. Écoutez, pour nous, ça n'a pas de prix. Alors faites-moi une bonne proposition et on pourra peut-être discuter. Celui qui me fait la meilleure enchère obtient les business des Vagos. Les Vagos sont aussi dans cette course. Ça risque d'être compliqué pour un groupe non cartel de lutter avec un groupe cartel. Arrêtez, je n'ai pas besoin d'entendre les Jérémias dans la STKC. Vous allez après me dire que vous souhaitez les compenses à vous. Faites-moi une proposition. C'est pas bon. NC4, ça va partir en couille avec Teller. Oui. Ce qui m'embête pour vous dire, c'est que Teller, je me dis que NC4, ça va partir en couille. Et que je pense qu'à partir de maintenant, dans les relations avec Teller, il faut toujours avoir une équipe de backup au cas où. Il a l'air de plus en plus tendu, en effet. De plus en plus confirme. En tout cas, le travail que tu fais, comme ni moi ni Pablo ne sont pas là, Mike est topé. Rien à dire. Merci, Miguel. Et même celui que tu fais quand on est là. On sait qu'on peut compter sur toi. Merci, Mike. Il meurt. Merci, Mike. Merci. Merci, Mike. Merci, Mike. Bon, faites-moi un rapport sur hier. J'ai cru comprendre que vous avez chopé les Aztecas. Deux fois. De Gugus, dans un buggy dégueulasse, là, qui faisait le tour de la baraque. Et ils voulaient nous assaut avec des guns. Du coup, Pablo en a séché un.
Il a bouffé son foie et il m'a laissé le deuxième. C'est moi ou ils sont complètement cons ? Mais c'est surtout que l'après-midi, quand on les a kidnappés, le mec a bien dit à Pablo, mais vous comprenez bien qu'un homme blessé ne travaille pas. Mais il revient foutre la merde, il ira chercher la merde devant chez nous. Arkel, il devrait plus être commissaire aujourd'hui. Ouais. Les marchands ont fait du tri aux EMS. Très bien. Et les marchands, maintenant, font du tri des EMS, c'est bien, impeccable. Il y en a eu 7 de virés aux dernières news, dont Erin Marshall et Franck, et ils ont mis une marche à la tête des EMS. Ah, je me rappelle donc pourquoi on l'utilisait pas souvent. Ça va ? Tout le monde va bien ? Ça va. J'ai l'air de bien vous ambiancer dans la voiture, donc ça a l'air d'aller très bien. Heureusement, c'est un gros cacate. Ah, est-ce comment ça va ? Ça va et toi ? T'as vu, tu es encore en vie, j'ai tiens mes paroles. Ça fait plaisir. Je J'ai beaucoup apprécié les cadeaux. Ah. C'est un beau cadeau. M'a beaucoup plu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je t'appelle pour te dire que j'étudie actuellement ta proposition. Mm-hmm. Est-ce que tu es là ce soir ? Vers quelle heure ? Je sais pas, vers 21h, 21h30, 22h. Je peux m'arranger, oui. Oui ? Est-ce que beaucoup de tes hommes peuvent être là ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi ? La moitié de l'hôpital et l'autre partie en vacances. À droite ou à gauche ? Comment se passe avec ton numéro 2, celui qui parle beaucoup ? J'ai fait un point hier pendant 3 heures avec lui. Ah, ça, on a déjà visité ici. Normalement, ouais. ça devrait le faire. Ouais, quand même, c'est sûr. Ouais, que j'ai bouffé, si tu peux le faire. Ça devrait le faire ou ça va le faire ? Non, ça va le faire. Si je valide le fait que. Auto devant. Vélo. Je valide ce que tu me dis. Alors il va falloir assurer et bosser. Et être solide. Ça voudra dire que tu es mon blanchisseur officiel. Je comprends. Donc, si tu n'es pas solide et que tu te laisses bouffer, alors ça posera problème. Tiens devant chez eux. Ah. Vous avez une place dans votre voiture ? Ouais. Très bien, on va l'enlever. Au pire, on se trompe. Il prend un taxi. Arrête les taxis. Je peux y aller ou... Monsieur les taxis, vous pouvez y aller, vous. Veste blanche dans la véhicule. Une bonne journée, au revoir. J'ai des zips, hein, si nécessaire. Ton téléphone, ta radio. Tu lèves les mains, tu te retournes. Allez, dans la voiture, je t'aide. Je t'attache. Pisse pas dans la voiture ou je te coupe la bite. Avance. Ah putain. Femme de ménage n'est pas passé. Comment tu t'appelles ? Esteban, ce serait pas le numéro 1 par hasard. C'est le numéro 1. Ancien Mercade, du coup. Coucou Esteban. Je t'ai pris rendez-vous chez mon dentiste, Hannibal. Il semblait que t'avais une rage de dents. J'aimerais revenir sur les petites informations que tu m'as dit en disant que tu ne paieras pas, tu ne veux pas payer, tu veux de la reconnaissance, tu es une foufou. J'ai appris ce qui s'est passé hier et... Tu avais beaucoup de choses à dire au téléphone. Et... savoir abdiquer parfois. Donc tu vas payer ? Je paye ce soir au plus tard. Ce soir au plus tard. Les 400 000 que l'on t'a demandé hier par... 500 000. 500 000. 500 000. Très bien. Un demi-million. Est-ce que Mais tu j'aurais... sais ce qui va se passer si tu ne payes pas ? Une petite idée, oui. Très bien. Hannibal, montre-lui ce qui va se passer s'il ne paye pas. Assieds-toi par terre. Je vais te détacher. Je m'enlève de là, des fois ça gicle. Ce serait dommage que ça me l'une au plus long. Tout blanc en plus. Bah ouais. Hannibal, pense au pressing. Un petit rituel d'abord. Je ne dérange pas les tortureurs en chef. Je regarde. C'est un peu comme un film. On en est là.
j'espère au moins que c'est DMCA free. Ah, sinon, j'espère que ce rituel est DMCA free. T'inquiète. Ah, c'est bon. J'ai pas oublié de découvrir alors. On aurait pu prendre une carpette, hein. Faire la gueule en entière. Mais tu pourras encore parler. Faire des jolis trous dans ta mâchoire. Pas mettre des piercings après, t'auras l'air d'un vrai badass. Un vrai méchant. Allez, ouvre grand la bouche. Allez, allez, un deuxième. Non, mec, il tombe. Voilà de la reconnaissance, Esteban. Dis-toi que ce n'est que l'apéritif, ça. Attention, Hannibal, il t'amène partout. J'aime bien le sang. Si je suis pas content, je vais en chercher plus. Fais moins de bruit, Esteban, ça me supporte. Souffre en silence. Ce soir, nous repassons, et tu as ce demi-million. Et si ce n'est pas le cas, alors on s'occupera de l'intégralité de tes hommes. Est-ce que c'est clair? On bouge. Bien, que chacun prenne sa place. Voilà, nous allons faire un petit point entre tout le monde. Chacun prend sa place, s'il vous plaît. Mike, donc tu souhaitais prendre la parole. Est-ce que tu as les bâtons des paroles? Non, mais je te les donne, voilà. Je t'écoute. Merci. Du coup, les Waves, ils sont actuellement 8. D'accord. En termes de chiffre d'affaires, ils font du 240 000 la semaine. Oh non. Qui est pas beaucoup. Non, c'est bien comme ça, non? Pablo, impeccable, t'es les meilleurs. Bâton des paroles, là, Pablo, tout seul. Ils font de la drogue, des supérettes et du vol de voiture. Donc pour les vols de voiture, ils sont avec les Lost. Pour la drogue et le blanchiment, ils sont avec les Verts. Et ils commandent tous les deux jours minimum 500 de cocaïne chez les Verts. À $50 le sachet. Oui, donc ils bossent pas mal, quoi. $50 les sachets de cocaïne? Apparemment, ouais. Et ils blanchissent à 40% chez les Verts. C'est pas très cher, $50, non? Bah non, c'est pas cher. Non. Oh, mais ça va être bien sur le blanchiment. Oui, c'est possible. Okay. Il loge à l'ancien quartier Nameless, 9207-9208. Tu appelles les gens, te parlent comme ça en disant « Ouais, impeccable, voilà mon business plan, non ?» Mike, c'est une meuf que t'as appelée. Oui. Bah oui. Bah oui, ok. Mike, faut savoir qu'il met sa tub partout. Je sais pas ce que tu mets les capotes. Tu mets les capotes? Je mets pas ma tête partout. Si, je mets ma tête partout pour avoir toutes ces informations. Il y va, il est ken, il a ken la moitié des brigands de cette ville. Mais non, je lui ai dit, appelle-moi quand t'es en ville, elle m'a appelé, et puis je suis... Appelle-moi quand t'es en ville, oui. Voilà, on l'appelle le kenner fou. Le kenner fou. Keketosor. Ça fait un mois qu'ils sont actifs. Et voilà, j'ai le numéro de leur chef, si tu veux. Ils sont combien, qui n'est pas encore... Ils sont 8. On va peut-être avoir du boulot pour eux. Alors, si je fais un point, on a attrapé les Aztecas cet après-midi. On a eu les chefs, Esteban, celui des Cités d'Or. Ah, d'accord. Voilà. Il nous a dit, il a commencé d'emblée, vous inquiétez pas, monsieur Miguel, on va payer. Donc, Hannibal a fait deux trous dans sa bouche. À la perceuse. Ah. Et je crois qu'ils sont prêts à tout pour l'argent, parce qu'ils ont demandé au truc du Bénise avant quel était le cash price, et vu que c'est un cash price à 6 chiffres, du coup, ils participent. Pour information, donc, et ils nous doivent 500 000 payés ce soir. Hannibal, tu étais parfait. Je t'ai dit, tu étais parfait. Merci, boss. Voilà.
Il y a aujourd'hui, on va devoir travailler, mais nous allons mettre en place une possible nouvelle politique. D'un côté, les Lost prennent beaucoup de confiance. Il est possible qu'à un moment donné, nous arrivions au contact. De l'autre, les Vagos nous ont supplié d'arrêter de leur taper dessus. Nous ont proposé 1 300 000 $ à 0% tous les jours. Dans la journée, nous avons discuté et nous sommes arrivés à l'envisager de faire une proposition 1 200 000 et 500 000 par jour à 10%. Entre-temps, nous avons discuté d'envisager de pouvoir permettre à des groupes d'aller chercher les caisses pour nous, de nous les ramener, de laisser un pourcentage pour eux, où nous sommes fixes. Et de l'autre, de pouvoir récupérer de la drogue afin de la vendre nous et de faire des marges substantielles. Et donc d'arriver à 300, 400, 500 000, 1 million par semaine. Voire plus. Tout en sachant que la drogue est beaucoup moins visible et que, de l'autre côté, que du monde aille chercher les caisses pour nous, ils sont tous potés, ça permet d'être un peu plus tranquille et de maximiser. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir ici, et le core center, au maximum des possibilités de vente. Ouais. Donc, ici deviendrait un peu un endroit où les gens viendraient, vont et viennent afin d'acheter et vendre des possibilités. J'ai donc envisagé un plan en deux étapes. Je vais vous demander de sécuriser une rencontre. Quand ? Dans 10 minutes. Je vais essayer de régler, Pablo, tous nos problèmes en une fois. Ah, c'est la fameuse 8F Drafter, ça. Ah ouais. Elle était plus jolie avant. Hein. Bienvenue. Miguel, Pablo. Bienvenue à vous. Merci. Bon sang, Seigneur Diouf, j'ai toujours du mal à vous reconnaître avec les bananas. Les bananas, c'est ça. On ne voit que très peu les yeux, mais je trouve ça sympathique. Vous avez deux bananas, un vert et un noir. Non, c'est du maquillage. Ah, c'est maquillage. Ouais. C'est plutôt bien fait. Ça inspire la peur. C'est ça. À force d'avoir des gens qui me demandent d'enlever le bandana, je me suis dit, tiens. Exactement. Je me rappelle d'un individu qui a dit à Pemblo un jour, et j'ai tout ça en tête, que ce qu'il avait mis sur son visage, c'était les marques des traîtres. Et je me suis juré qu'un jour, cette personne qui avait dit ça à Pablo, un jour je la mettrai plus bas que terre. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas vous. Ça marche. Bah allez, je voulais vous voir afin de, comme je vous l'ai dit dans les mails secrets, modifier votre avenir. Vous êtes dubitatif. Hein. Pourtant, les destins de vos familles et de ma famille sont liés. J'ai ce soir une proposition commerciale à vous faire. De cette proposition commerciale va dépendre et va faire fructifier beaucoup d'argent aussi bien pour les Vagos, pour les Verts que pour la Manon. Cette proposition va aussi mettre fin à deux guerres. Une vieille querelle entre les Vagos et les Verts, mais aussi une guerre entre les Vagos et la Manon. Ça a l'air très intéressant dit comme ça. Je me suis dit que ce soir, je pouvais à la fois aller chercher les différents points qui intéressent la Mano actuellement, mais aussi les Vagos, et aussi les Verts. Et je me suis rendu compte, dans un éclat de génie, que nous avions des objectifs communs, des objectifs commerciaux, et que nous pouvions arriver à trouver un état d'entente. Bah alors là, je suis tout oui. J'ai hâte de savoir ce que vous proposez. Ah, ici. Afin que nous arrêtions cette guerre, tu nous as proposé 1 000 000 $. Et 300 000 $ à taux zéro. Oui. Je me dois de refuser cette proposition. Et de faire une contre-proposition. J'écoute. Dès ce soir, Ice, tu vas contacter le seigneur Benson. Et tu vas lui indiquer que vous avez trouvé un terrain d'entente avec les seigneurs Diouf et que vous échangez votre business. Les Vagos deviennent officiellement ceux qui s'occupent de la drogue et les Verts deviennent ceux qui s'occupent du blanchiment. Seigneur Diouf, c'est ce que vous vouliez, je crois. Ah ouais, depuis bien longtemps. Ah, ici. Ça correspond beaucoup mieux à ce qu'étaient petites fourmis, fonds, bien. Mais l'intérêt commercial ne s'arrête pas là. En
En faisant cela, Aïssé, tu ne me dois plus rien. Tu payeras le seigneur Benson qui demandera sûrement une somme importante pour échanger tous les deux des payés. Seigneur Diouf, vous ne me devez plus rien non plus, vous payerez directement auprès de notre patron, le seigneur Benson. Ça marche. Seigneur Aïssé, nous serons votre premier et plus gros client. Nous vous achèterons de la drogue à un prix intéressant. Et nous vous assurerons une rentrée d'argent. Vous serez le premier livré tous les jours. Et vous garderez toujours du stock des côtés pour nous. Mmh. Cela vous assurera une rentrée d'argent. Et potentiellement, nous vous ferons des tarifs avantageux pour vous remercier. Du côté des armes. Seigneur Diouf. Dans ces partenariats commerciaux, vous gagnez deux clients qui n'iront que chez vous, les Vagos et la Manon. C'est très intéressant. Vous nous ferez un taux préférentiel et vous assurerez toujours d'avoir de la liquidité afin de pouvoir subvenir à hauteur de 300 à 400 000 dollars tous les jours pour la Manon en tout cas. Ça me paraît honnête. Concernant les autres groupes, vous ferez les tarifs que vous le voulez. Les tarifs des 40% pour moi est une hérésie. Vous gérez votre business comme bon vous semble. À savoir que le seigneur Taylor fait des pourcentages à 5% pour ses chouchous, d'après ce qu'on m'a dit. Donc ça fait bien longtemps que les pourcentages n'existaient plus. Très intéressant ça. Ça marche. Si nous signons aujourd'hui, c'est un intérêt commercial pour tout le monde. Vous chercherez sûrement les ceux de la Manon, mais mes hommes viennent de les comprendre. Donc si je résume, les Vagos et les Verts vont appeler le seigneur Benson pour indiquer qu'ils se sont mis d'accord pour un échange de business. Le seigneur Benson vous fera payer cet échange de business, sûrement aux alentours des 500, 600 ou 1 million de dollars. Vous les paierez. À partir de là, les Vagos s'occuperont de la drogue et livreront la Manon tous les jours d'au moins 500 ou 600 de cocaïne minimum ou des méthamphétamines. Nous trouverons un prix plus qu'intéressant pour les deux, pour que tout le monde puisse vivre. De l'autre côté, les Verts blanchiront l'argent et feront un tarif préférentiel aussi bien pour les Vagos que la Manon. Ils seront deux clients qui n'iront que chez les Verts. Amputant un seigneur Taylor, deux de ses plus gros clients et son monopole et sa grande gueule. On est d'accord. Qu'en dites-vous ? Moi, je suis très très chaud. J'ai des deals. Si ça peut m'éviter la guerre avec deux groupes. Je suis partant. Malin. Alors, nous avons un deal, messieurs. Tout va bien. Ça va.